Non. Bon match les gars, obtenons une grande finale. Pour X14 avec son pétuche Paluigi et ses buts complètement dingues. Cette finale commence de la meilleure des manières. Et déjà un écart entre les deux joueurs. Est-ce qu'il va pouvoir lui répondre avec Daisy? La repousse, attention, 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 c'est risqué. Alors là, ça se casse la tête là, vraiment. La team Daisy récupère le ballon, la team Daisy tire en 2 contre 1. Elle va tenter la frappe. Et est-ce que c'est dehors? Oui, c'est dehors. Qui donne un peu de fil à retordre à Daisy. La vingtaine. Et il a bon bloc. Paluigi. Oh, la tête de Paluigi. D'accord. Oubliez la balle. Ça repart côté gauche. Dans la team Daisy désormais. Et l'occasion. C'est repassé par le gardien. Toujours un partenaire, 3 minutes de temps restant entre les deux joueurs. C'est claqué. Pourquoi pas l'occasion à nouveau. Et la frappe de chaîne. Daisy qui est dans le coin. La frappe, non, récupérée par Paluigi. Ça repart côté droit, la frappe lointaine. Allez, il va faire marteau. Ça repart à gauche, la musique, il y a le ballon dans le pied. Allez, classe sur le monde de la frappe. Paluigi qui en profite, Paluigi, la passe. Il va faire marteau qui marque. Et voilà, la team Paluigi qui reprend l'avantage. Daisy, la passe, la frappe latérale, c'est dedans. Il doit faire CSI le gardien. Le gardien n'a rien pour faire. Mais t'es sérieux, le gardien se peut être le ballon dans ses cages. Elle était vraiment très puissante cette balle pour le gardien. Ah, c'est quoi ce gardien bidon là? Ah, vertueux. La frappe, elle va être puissante, elle est très proche du but. Ah, c'est et c'est dedans. Et en plus, c'est un but qui compte au bout. Ah, enfin, j'en fasse une, sinon ça va pas tout faire là. Peut-être. Impact. Il sera difficile maintenant de compter pour la team Paluigi. C'est donc Yoshi qui à ce moment même est devant. Paluigi qui est en plein doute là, qui ne sait pas quoi faire, qui s'est glacé, on balance la max. Le prochain but aura une influence capitale sur la suite. Hey, et c'est Paluigi. Rien n'est perdu. Et là, ça va être super intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer. Il reste une minute 25 entre les deux joueurs. C'est chaud, Daisy, l'occasion peut-être. Ça fait un peu cassé là. Hey. La profondeur, le Paluigi, le Paluigi. Il se fait prendre par une carapace là. Le gardien. C'est dans l'équipe de la team Daisy. Daisy qui va à l'offensive, qui se fait capter le ballon par la Paluigi, ça repart de l'autre côté encore une fois. Que va-t-il se passer? La passe. Ah dommage, elle a été mal captée cette passe. Ça passe par le gardien, un peu automatique. Et c'est pas fini. On a l'occasion de
se prête à éliminer la tête. C'est repoussé par le gardien, il reste 20 secondes, 20 secondes. Et c'est peut-être la team Balmigi qui va marquer. Attention, c'est chaud. Le gardien qui se saisit du ballon. C'est terminé. C'est repoussé par la défense. Cette finale qui n'en finit pas. Après un minute, ça va être la décision dans l'utilité attentive. On va préférer passer par la main. Attention, ça revient très vite. Alors aussi, c'est tout en or. Toujours 4 partout. Attention, l'occasion pour Bézi. On va tenter quelque chose. La tête, ça repoussé pour les gardiens. Attention. Bézi qui est plus fort. Bien joué, il est en position peut-être de marquer. La frappe. La team Balmigi qui gagne